Très bien. Oh, don't worry, your accent is a mélange of the two. I don't know, I'm in the French room and I was hearing you in English. C'est parfait. Excusez-moi, j'ai un problème, j'entends pas Anthony quand il parle. J'entends tous les autres, mais Anthony, j'entends pas quand il parle. Il n'y a pas de souci parce qu'il est dans un autre canal et il traduit. D'accord, ok. Normal, c'est la version anglaise. Donc, hello, everyone. Good afternoon, good evening, based on your location. Welcome to Scott, Volume 23. We are with you today with another exciting topic from Europe. Today's webinar is scheduled for 90 minutes. Many speakers and our moderators have planned a very excellent program for you. And we are going to start our program today with a welcome remark from Professor Jafar Jafari, the curator of Scott webinar series. And then Professor Maria is going to lead the whole program after that. Professor Jafari, the floor is yours. Jafar, you're muted. You are muted, Jafar. Merci, Kazem. Malheureusement, je ne peux pas parler français. Quelques mots en anglais. I would like to welcome you on behalf of Scott webinar series. I will keep it very short because the idea is not for me to talk. The idea for us is to listen to you on the subject of the webinar. We started the webinar about a year ago. And this is our volume number 23. The purpose of the webinar is not to talk about big tourism businesses, but talk about the informal sector, small communities, small operators, medium-sized operators, the sort of people who do not receive enough attention
from government, from the industry in general, and so on and so forth. So we are trying to penetrate the community and the small operators with our message. I would like to invite you to visit our website. You will find 22 volumes already there. And we are scheduled all the way to the end of this year and beginning of next year. I also invite you, if you have a creative idea for a webinar, please approach us and we would be more than happy to accommodate your webinar. Thank you very much and welcome to the webinar. And Maria, thank you very much for organizing such a dynamic theme, a very relevant theme, and I will be enjoying it in the English room. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci, bonjour, bonsoir à tout le monde. Je suis vraiment ravie d'introduire le 23e webinaire Scott sur Paris post-Covid vers une nouvelle relation entre touristes et habitants locaux. J'aimerais tout d'abord remercier vraiment très chaleureusement les organisateurs, les curateurs de Scott, donc Jafar Jafari et Kazem Vafadari, pour nous donner en fait cette occasion de parler d'un sujet d'une vraiment très grande actualité pour la ville de Paris, c'est-à-dire la réinvention, on pourrait dire, de la relation entre touristes et habitants permanents. Alors, cette problématique n'est certes pas nouvelle, mais c'est une problématique qui gagne beaucoup en ampleur, en fait, et je dirais même gagne en urgence après la COVID et qui a révélé de façon encore plus visible aujourd'hui un certain nombre de fragilités d'une destination touristique qui est vraiment indisputée, qui est réputée inatteignable. Alors, juste pour poser les décors rapidement, Paris est une destination touristique ancienne, une destination qui fait partie du Grand Tour dès le XVIIIe siècle, et en fait, une destination qui, au cours des dernières années, des derniers siècles même, elle a été construite et elle a été aménagée avec le tourisme. Le tourisme, donc, qui véritablement imprègne la ville. Et à ce titre, elle a été sans doute moins touchée par les phénomènes de rejet du tourisme, voire des phénomènes qu'on a qualifiés de touristophobes ou tourismophobes, tels que ceux qu'ont connus d'autres villes européennes, des villes comme Berlin ou Barcelone, qui se sont donc développées touristiquement de façon plus récente et plus abrupte aussi. On peut dire que les Parisiens se sont adaptés au tourisme depuis fort longtemps. Ils ont appris d'une certaine façon, et dès le 19e siècle, et des événements comme les grandes expositions internationales qui ont donc, dès les milieux ou la fin du 19e siècle, amené plusieurs millions de visiteurs à Paris, ils ont donc appris à vivre tant bien que mal avec le tourisme. Et les chiffres donc d'une destination touristique comme Paris sont vraiment considérables. En 2019, donc avant la COVID, 38 millions de touristes accueillis dans le Grand Paris, donc Paris et sa petite couronne, tous hébergements bien entendu confondus, ce qui correspond à 6 fois plus que la population donc, des 4 départements, c'est-à-dire Paris intramuros et les 3 départements de la petite couronne. 29 millions de touristes qui sont accueillis donc à Paris intramuros, toujours pour prendre les chiffres de 2019, également tous hébergements confondus, ce qui fait là pour Paris intramuros 13 fois la population de la ville. Donc les Parisiens s'adaptent au surtourisme de diverses façons, en fréquentant par exemple moins les quartiers qui sont considérés des très touristiques. Ils y vont rarement, en général seulement quand on accueille des parents ou des amis pour leur montrer par exemple la Tour Eiffel ou l'Arc de Triomphe. Et les touristes, de leur côté, ont souvent le sentiment d'être dans une ville qui est un peu désincarnée, donc une ville de belles pierres, une ville de monuments splendides, mais où donc les habitants locaux la vie quotidienne, la vie ordinaire, est un peu absente. Donc, les tourismes produisent des infrastructures telles que des lieux d'hébergement, des hôtels, qui accueillent les touristes, mais ces lieux restent un peu, dans la plupart des cas,
hermétique en fait à leur quartier, ne s'ouvrent pas véritablement à leur quartier. Donc, ces phénomènes, on peut les observer également dans les contextes des grands musées qui donc reposent essentiellement sur un tourisme international. On voit donc globalement que la géographie du tourisme parisien est assez tranchée, avec donc des phénomènes qu'on peut qualifier d'hyperconcentration touristique dans des endroits qui sont donc hyper touristifiés. Bon, je parle toujours, bien entendu, de l'époque avant la COVID. Donc, des endroits que les habitants permanents évitent et, de l'autre côté, donc, des espaces de vie quotidienne dans lesquels les touristes rêveraient, en fait, d'y aller. Rêveraient d'y aller pour découvrir un autre Paris, mais des lieux qui leur sont, d'une certaine façon, inaccessibles. Donc, une sorte de double frustration, hein, une double frustration qui s'installe et qui, pour être élevée, impliquerait un certain nombre de choses qui, je pense, vont être discutées aujourd'hui dans ce webinaire. Donc, impliquerait, d'une part, que les habitants locaux puissent s'approprier mieux les ressources, les lieux, les infrastructures touristiques. Donc, de pouvoir entrer plus facilement dans un hôtel pour prendre un verre, pour manger un morceau, ou alors y entrer pour travailler dans un espace de coworking ou même organiser la fête de l'école des quartiers, donc dans ces lieux qui sont donc par ailleurs créés pour le tourisme. Ou encore pouvoir faire un tour à la Tour Eiffel ou au Louvre sans être découragé par une file d'attente qui rend parfois la visite de ces lieux emblématiques finalement de Paris un peu difficile d'accès. Donc, de ce côté-là, il y a un certain nombre de choses qui pourraient être imaginées pour les habitants locaux. De l'autre côté, les touristes, en fait, aimeraient mieux connaître un autre Paris, on pourrait dire, un Paris qui serait thématiquement et spatialement élargi, hein, augmenté. Donc, ils aimeraient sortir des quartiers hyper visités pour découvrir d'autres lieux de la métropole et sortir aussi non seulement des lieux physiques visités, mais aussi sortir de ces imaginaires un peu clichés en fait de Paris pour découvrir un Paris insolite, contemporain, artistique, créatif, divers, cosmopolite. Donc, tout ce que j'ai dit là n'est absolument pas nouveau. Et nous avons donc dans cette table ronde des personnes qui ont travaillé ou qui ont écrit sur ces questions-là depuis plusieurs années. Sauf que, et c'est là où peut-être il y a un élément déclencheur qui est important, sauf que la COVID a imposé une réalité réelle, si j'ose dire. Une réalité réelle, c'est-à-dire la question n'est plus hypothétique. Que ferait Paris si un jour le tourisme international s'arrêterait? Donc la question aujourd'hui, ce n'est pas qu'est-ce qu'il se produirait. La question est vraiment réelle. Comment ça s'est passé en 2020 où Paris a eu 26 millions de touristes moins qu'en 2019? 26 millions de touristes moins que l'année précédente. Donc, vraiment, nous parlons des chiffres qui sont tout à fait considérables. Donc, pendant cette année 2020, les infrastructures, les lieux touristiques ont fonctionné. On fonctionnait certes difficilement, mais en grande partie grâce à un public local ou un public régional, un public métropolitain. Donc les habitants permanents ont d'une certaine façon découvert, redécouvert autrement des lieux qui leur étaient en partie inaccessibles. Quand j'ai dit inaccessibles, n'imaginez pas une inaccessibilité réelle, c'est parfois une inaccessibilité qui est un peu imaginaire ou psychologique. Donc, des expériences différentes sous la COVID qui amènent en fait, d'une certaine façon, à réfléchir de nouveau et de façon véritablement renouvelée la relation entre habitants et touristes. Car en fait, le souhait, ça c'est très important de le souligner ici, le souhait des acteurs locaux et que Paris, en fait, retrouve son rang des destinations internationales. Il ne s'agit pas, en fait, en tout cas pour les décideurs locaux,
il ne s'agit pas de prôner pour une décroissance du tourisme. Dans les discours politiques, on n'attend pas cela. Aucun discours politique ne va dans ce sens. Et on peut imaginer que lorsque le tourisme en fait, reprendra, notamment après la pleine reprise de l'aérien et après donc, la réouverture des frontières qui sont encore totalement ou partiellement fermées, en fait, la volonté de venir à Paris sera au moins aussi grande que dans les passés. Donc, on va se retrouver effectivement avec des chiffres, avec de nombres de visiteurs qui seront sans doute égaux à ceux que Paris avait connus dans le passé. Donc, ça, c'est une donnée importante, c'est une donnée quantitative. Et la question, c'est comment, hein, et c'est vrai, c'est vraiment la question qui sera discutée aujourd'hui avec nos cinq panélistes, comment peut-on faire aujourd'hui pour instaurer un nouveau tourisme où, en fait, possiblement 30 millions de visiteurs, peut-être plus, seront accueillis dans un Paris élargi, celui donc de la métropole parisienne, dans une relation renouvelée avec les habitants permanents, et où donc les uns profiteraient pleinement des autres. Comment peut-on réussir un tourisme véritablement hospitalier? C'est un peu la question que va essayer de se poser aujourd'hui. Évidemment, ces questions sont politiquement portées aujourd'hui par la ville de Paris, qui organise, grâce à une large concertation avec les acteurs professionnels de tous les secteurs, des élus, des associations, des chercheurs, organise les assises du tourisme durable à Paris. On constate que le tourisme a été déjà très présent, et sans doute pour la première fois avec une telle force dans la dernière campagne municipale. Les initiatives en cours, telles que donc les assises du tourisme durable que je viens de mentionner, semblent aussi marquer une période où le tourisme était traité avec une attitude de laisser-faire. Donc, le tourisme semble aujourd'hui, pour tout un ensemble de raisons, gagner pleinement une dimension politique au sens noble, à l'occurrence du terme, donc le tourisme aussi comme un moyen pour construire de nouveau, différemment, la police. Donc, j'aimerais, avant de m'arrêter ici, désolée d'avoir été longue pour cette introduction, j'aimerais vraiment remercier très chaleureusement les cinq panélistes qui ont répondu positivement à mon invitation aujourd'hui. Ce que je ferai, c'est de leur donner la parole donc l'un après l'autre, dans l'ordre que vous avez dans le programme. Nous avons juste un petit changement au niveau du programme qui a été annoncé, mais sans doute à la dernière minute, donc peut-être que plusieurs, vous n'avez pas pu le voir. On a un cinquième panéliste qui est donc Clément Simoneau des Oiseaux du Passage. Donc, je donnerai aux cinq panélistes la parole au fur et à mesure. Et j'ai leur prierai de ne pas dépasser pour ne pas se retrouver un peu hors temps, de ne pas dépasser 12 minutes chacun. Alors, je commencerai tout d'abord par donner la parole à Sébastien Jacquot. Sébastien Jacquot, qui est maître de conférences en géographie à l'Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne. Il est le directeur de l'Institut de recherche et d'études supérieures du tourisme, donc l'IREST, et est donc un chercheur, un géographe qui mène des recherches, notamment en études urbaines, pas uniquement, sur le tourisme en milieu urbain, pas uniquement, sur le patrimoine mondial, sur la patrimonialisation des périphéries métropolitaines, y compris en rapport avec le tourisme. Il travaille également sur les liens entre réseaux sociaux et tourisme, et il travaille aussi sur l'informalité. Donc, merci beaucoup, Sébastien. La parole est à toi et tu peux partager, si tu veux, ton PowerPoint. Voilà, et je le mets donc en plein écran. Très bien, ben, merci beaucoup, merci pour cette invitation et l'occasion hein, d'échanger sur cette thématique. Et donc, la demande qui m'a été faite, c'est de présenter un peu, on va dire, ces enjeux vus d'en haut, de façon, on va dire, un peu en géographe, de façon un peu classique, donc vu d'en haut à l'échelle macro. Donc, pour commencer, hein, donc le grand pari d'un autre tourisme, alors qui malheureusement se traduit mal en anglais, parce qu'il y avait un jeu de mots évidemment sur le mot pari, voilà, mais qui part du constat hein, de la paradoxale fragilité du tourisme parisien
lors des déconfinements, c'est-à-dire à l'été 2020, qui a été marqué, hein, l'été 2020, par un tourisme important en France par les Français, mais l'Île-de-France et l'Alsace ont fait partie des régions, on va dire, qui ont connu, hein, le rattrapage touristique le plus faible et également la plus forte baisse des dépenses touristiques, y compris lorsque le tourisme était possible. Alors évidemment, les explications, c'est l'importance du tourisme international habituellement à Paris, qui a été moins bien remplacé par les mobilités nationales et européennes et la crise persistante des mobilités d'affaires. Mais néanmoins, hein, ça interroge, ça montre en tout cas, hein, une forte dépendance à un modèle spécifique de développement touristique. Vous voyez là, hein, un travail qu'on a fait sur Booking qui montre, hein, Paris est la ville qui a le moins rattrapé son volume de réservation par rapport à l'année précédente, c'est-à-dire à l'année 2019, alors que toutes les autres villes françaises, y compris des villes comme Saint-Étienne ou des villes qui a priori sont moins touristiques, Beauvais par exemple, etc., ont rattrapé, voire dépassé les volumes de réservation d'après les réseaux sociaux. Donc, à ce titre, hein, on voit une forte dépendance du tourisme parisien, un modèle spécifique de développement touristique, on pourrait dire, hein, une crise de sous-consommation, après des discours sur la surconsommation touristique, même si Maria a rappelé qu'à Paris, hein, ce discours de l'over-tourisme, de la surconsommation, était nettement moins prégnant que dans d'autres territoires. Donc, voilà, comment penser l'après à partir de ce constat de crise? Et avec plusieurs collègues, hein, dans notre équipe de recherche, avec Saskia Cousin également, on explore les significations et discours de cette crise du tourisme liée au Covid, en questionnant, hein, notamment la notion de crise, en nous demandant d'abord si cette crise constitue un déclin, une éclipse, une transition, un révélateur. On reviendra sur ces différents points. Et en repositionnant alors, hein, ce qui s'est passé dans le prolongement de dynamiques passées, mais aussi de ce qui peut-être s'annonce et s'annonçait déjà avant la crise du Covid. Alors, c'est un questionnement large, hein, qui évidemment n'est pas spécifique au Grand Paris, mais qu'on fera à partir du cas parisien. Je reviendrai d'abord sur, on va dire, les caractéristiques spatiales majeur du tourisme parisien et du Grand Paris pour montrer, hein, quelle piste ouvre la situation actuelle. Donc, sur cette centralité du tourisme parisien, hein, qui est le produit de pratiques sédimentées depuis au moins le XVIIIe siècle, vous avez là, hein, toutes les photos prises sur Flickr faisant apparaître les lieux les plus photographiés, donc on peut en déduire les plus pratiqués. Le périmètre parisien, hein, est bien délimité par le tracé de l'actuel périphérique. Et on voit, hein, donc l'axe des Champs-Élysées, la Tour Eiffel, Montmartre, voilà, donc des hauts lieux qui restent très centraux. Alors là, du point de vue des pratiques, hein, mais du point de vue de la prescription également, un travail qu'on a fait il y a quelques années sur les guides touristiques parisiens, en voyant quelle place s'occupent les différents espaces, les espaces centraux, les espaces, on va dire, péricentraux, mais au sein de Paris, la banlieue et au-delà de la banlieue. Et on voit que ces guides touristiques, hein, sont très largement centrés sur Paris. Donc de fortes concentrations, donc de 51% dans le Cartouville sur les arrondissements les plus centraux, à 91% dans Walking Paris. Donc on a pris là, hein, des guides japonais, chinois, français, espagnols. Et voyez donc ce qui est en gris, hein, sur le PowerPoint, c'est le pourcentage de pages consacrées aux arrondissements centraux. Et en rouge, c'est la banlieue. Donc on voit, hein, que le Grand Paris est en fait très peu visible dans tout ce système, hein, de la recommandation. Pardon, je reste là-dessus. Donc, on pourrait dire un partage, on pourrait même se demander si on peut remobiliser la notion de district touristique dans le cas parisien, avec de fortes concentrations touristiques dans des quartiers spécifiques versus un Paris habité. Alors, évidemment, c'est bien plus complexe. Hein, comme on a peu de temps, je n'entre pas dans le détail. Mais bon, il faut distinguer le tourisme de jour du tourisme de nuit. On n'aurait sans doute pas les mêmes densités touristiques, mais le développement d'Airbnb, hein, a largement diffusé également le tourisme, hein, dans des quartiers qui auparavant étaient, on va dire, plus spécifiquement résidentiels.
Donc, on a également des associations habitantes lassées par le tourisme ou la vie nocturne. Donc, ce n'est pas que le tourisme qui est l'objet de leur focalisation, mais à Montmartre, dans le Marais, des associations ont depuis plusieurs années protesté contre cette situation de surdensité, même si, avec Maria, nous avions montré dans une enquête précédente que les mouvements antitouristiques sont très minorés par rapport à d'autres situations. En tout cas, ce point de départ que j'esquisse rapidement, nous pousse à poser la question du changement d'échelle. Changement d'échelle est légitime d'abord parce que finalement, si on revient sur ce que révèlent les réseaux sociaux, même s'il y a une très forte densité sur les arrondissements centraux, on voit quand même, alors on ne le voit pas très bien, mais Paris est là, mais on voit un débordement. Là, c'est une carte de chaleur à partir des photos postées sur les réseaux sociaux. Que voilà, on a quand même une visibilité numérique des espaces au-delà des espaces les plus touristiques. La carte du... Maria a rappelé les chiffres, 29 millions de nuitées dans Paris intramuros, 38 millions pour le Grand Paris, donc il y a un différentiel de 9 millions, même si on peut supposer qu'une grande partie de ces 9 millions se rendent dans Paris deux jours, d'où cette importance de raisonner jour-nuit. Longtemps, la carte du Paris touristique s'est arrêtée aux frontières de Paris. Et là, il y a eu tout le travail de différents acteurs, dont Hélène Salé-Laborel, pour faire évoluer cette situation. Dans le même temps, on peut raisonner en termes de destination. Le territoire pratiqué par les touristes qu'ils imaginent être Paris n'est pas totalement synchrone avec ce qui est promu pendant longtemps par les institutions touristiques. Et puis, on peut également mobiliser la notion de métropole touristique pour essayer de repenser les géographies du tourisme parisien. Si on définit la métropolisation comme concentration de valeur à l'intérieur et autour des villes les plus importantes, on se pose cette question de la redistribution vers les périphéries du tourisme parisien. Alors, ce qu'on note d'abord par l'investissement privé, les logiques hôtelières, par exemple, manifestent bien cela. L'essentiel de l'offre d'hébergement se situe dans Paris intramuros, c'est le nombre de chambres que vous voyez là, 80 000, mais les cercles bleus désignent le nombre de chambres dans les communes autour de Paris qui composent le Grand Paris. Alors, au-delà du pôle aéroportuaire et Disney, on voit bien une redistribution, en tout cas un redéploiement dans les communes immédiatement périphériques et qui, progressivement font exister un Grand Paris. Alors, les acteurs du tourisme accompagnent ces dynamiques, là aussi, depuis une vingtaine d'années. La stratégie régionale de 2000, déjà parlée, même si ça a été pas forcément suivi des faits sur tous les territoires, de pôles touristiques régionaux, c'est-à-dire l'idée, c'est à partir de Paris éventuellement comme ici ou à l'extérieur de Paris, de mettre en réseau d'autres territoires, de promouvoir, alors plus dans le périurbain que dans les banlieues, mais de promouvoir d'autres formes touristiques, notamment dans les parcs naturels régionaux aux portes de Paris, Oise, Vexin, Haute-Vallée de Chevreuse et Gâtinais-Français. C'est également des territoires de banlieue qui se sont constitués comme destinations touristiques, jouant une logique de la singularisation, voire de l'autonomisation. C'est plutôt la stratégie des années 2000, on pourrait dire, même si désormais on est plus dans une optique Grand Paris. Donc, par exemple, ici, Pleine Commune, qui est au nord immédiat de la ville de Paris. Et puis, plus récemment, mais je vais très bien en parler, le contrat de destination de Paris augmenté, visant également à élargir le périmètre du Paris touristique. Donc, on est de façon large sur l'émergence d'un Grand Paris touristique, appuyé à la fois sur des investissements privés, marchands, des initiatives portées par des acteurs publics, mais aussi de nombreux acteurs des champs associatifs ou, on pourrait dire, altermarchands, qui vont faire exister un autre territoire touristique. Alors, vous pourrez me dire, tout cela, en quoi cela s'articule-t-il au constat de la crise du Covid? Ce sont des dynamiques qui ont commencé bien avant, qui ont remobilisé le tourisme dans des territoires davantage habités bien avant. Donc, c'est ce qu'on verra dans un dernier point. Je crois que je ne suis pas trop en retard. Donc, repenser le tourisme selon d'autres logiques ou d'autres finalités. Donc, on a fait trois hypothèses. La première, c'est de dire que la crise du Covid a accentué des éléments de déstabilisation. Autrement dit, la crise du tourisme, elle est bien antérieure au Covid. C'est-à-dire que le tourisme parisien était peut-être déjà en crise. Son modèle touristique était peut-être déjà en crise. C'est l'hypothèse du révélateur. Et donc, on va chercher d'autres modalités. Deuxième hypothèse, la crise liée au Covid a rendu visible
des phénomènes occultés précédemment parce qu'on se focalisait sur le tourisme international, sur un tourisme un peu hégémonique. C'est l'hypothèse de l'éclipse. L'éclipse, hein, c'est ce qui montre ce qui est caché habituellement tout en cachant. Donc, révélateur ou éclipse, hypothèse également de la transition, la crise du Covid favoriserait la transition vers d'autres modèles touristiques. Donc voilà, trois hypothèses hein, qui évidemment ne sont pas exclusives, qui peuvent être combinées et qui permet hein, d'esquisser quelques propositions à partir de cela. La première, hein, c'est que le tourisme n'est pas seulement l'affaire des touristes. L'habitant peut également apparaître comme touriste sur son propre territoire. Il est beaucoup question depuis la crise du Covid de proximité, mais là, c'est quelque chose qui, un discours qui était porté déjà bien en amont hein, sur le territoire parisien. Le tourisme, c'est une façon de regarder le monde et son environnement. Et donc, on va au-delà des définitions institutionnelles, touristes, habitants temporaires, pleine commune, par exemple, hein, avait très tôt justifié une politique touristique par la nécessité de s'adresser aussi aux habitants. Et donc, une certaine posture va accompagner cela, hein, c'est l'idée de la redécouverte du territoire par ses propres habitants, de la réappropriation éventuellement de son territoire par les habitants. Et on a retrouvé ça pendant la crise du Covid, par exemple, hein, avec les étudiants, on a travaillé sur les commentaires laissés sur une plateforme alternative, Explore Paris, et on voyait que beaucoup de commentaires pendant le déconfinement étaient laissés par des touristes, par des Parisiens pour des produits touristiques et ils évoquaient la surprise, la redécouverte de leur quotidien, etc. Deuxième point, c'est l'imbrication hein, des espaces pratiques et mobilité qui incite à repenser le modèle territorial du tourisme parisien, finalement à une logique centre-périphérie qui est celle de la métropolisation. Hein. Rappelez-vous, on a dit hein, densification, étalement, mais même quand on s'étale, on reste pris par l'idée qu'il y a une centralité. On peut penser autrement le territoire touristique. Si l'habitant est aussi pensé comme découvreur de son territoire, chaque quartier est le point de départ d'une exploration. Donc, à une logique qui agglomère, qui relève des densités, on note que les parcours touristiques dépendent du point de départ. Il y a eu plusieurs études hein, sur les touristes, McKercher à Hong Kong, nos propres travaux sur comment on découvre à partir des hôtels à pleine commune, comment on commente sur les réseaux sociaux. Mais finalement, hein, à la carte vue d'en haut qui monte, la carte de chaleur qui monte des densités, on peut montrer hein, une autre logique hein, du réseau à partir hein, d'un point de départ qui est à chaque fois singulier. Imbrication des pratiques et des mobilités aussi, hein, finalement, c'est partager l'ordinaire d'une certaine façon. Là non plus, ce n'est pas une nouveauté. On l'a pendant longtemps oublié, mais regardez à nouveau les guides de Paris au XIXe siècle, hein, qui étaient peut-être plus modernes que ceux d'aujourd'hui qu'on a vus précédemment. On invite à aller voir les abattoirs, d'écouter les cris de Paris. Bref, on invite à s'intéresser à l'ordinaire parisien il y a plus d'un siècle. Hein. Oui, il me reste un point pour une minute. Donc, dernier point, donc le tourisme également, hein, ce qui émerge de façon plus importante encore, c'est l'exigence de reconnaissance et de justice portée par les politiques touristiques. Il y a des politiques du tourisme, mais le tourisme est aussi politique en un autre sens. Hein, on peut faire référence aux philosophes francières. C'est un partage du sensible, des places et des parts. Et donc, il y a un enjeu de reconnaissance et de justice dès lors que on retricote cette distinction entre habitants et touristes. L'habitant est aussi en capacité d'énoncer des discours touristiques, de peupler ces discours touristiques et de participer à leur élaboration, voire consommation. Voilà, je vais conclure, mais je vais m'arrêter là pour ne pas trop dépasser. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sébastien. Merci infiniment. On va garder tout ce que tu n'as pas pu dire, sans doute pour l'échange dans la deuxième mi-temps. J'invite tout le monde à poser les questions dans les chats et on prendra toutes les questions, ou en tout cas la plupart des questions, après donc la fin de toutes les interventions. Donc maintenant, sans trop tarder, je donne la parole à la deuxième intervenante, donc Marine Loisy. Marine Loisy, qui est anthropologue et maîtresse des conférences au CNAM, et elle travaille sur les enjeux contemporains du tourisme, sur la cohabitation entre visiteurs et visités et l'adaptation des territoires au surtourisme. Donc, elle va, je pense, rebondir sur les questions sur lesquelles a conclu Sébastien. Marine, la parole est à toi.
Il faut ouvrir le micro. J'ai l'impression que qu'elle est bloquée, qu'il y a un problème de connexion. D'accord. Dans ces cas-là, on va sans doute s'adapter différemment. Et je donnerai la parole à Clément Simono. Clément, est-ce que tu es dans la salle? Est-ce que tu es prêt à intervenir? Parfait. C'est bon. Donc, Clément Simono, qui est le co-gérant de la coopérative de voyage Les Oiseaux de Passage. Et il est donc professionnel du secteur du tourisme et il fait partie depuis 2016 des membres fondateurs de cette association extraordinaire que sont donc les Oiseaux de Passage, une coopérative qui réunit des acteurs locaux du voyage, de la culture, de l'artisanat, du tourisme, du patrimoine et de la vie citoyenne. Donc la parole est à toi, Clément. Très bien, merci beaucoup, Maria, pour cette invitation et pour la parole. Je m'excuse s'il y a quelques bruits un peu parasites, disons, mais c'est que je suis sur le festival Londe de Coop à Paris qui réunit les coopératives de la transition dont on fait partie. Il y a toutes les Enercoop, Mobicoop, Cities, la Nef, etc. Je vous invite à venir à Pantin si vous avez envie, c'est super. Et du coup, il y a peut-être un petit peu de bruit autour de moi. Donc, je suis effectivement un des deux co-gérants des Oiseaux de Passage. Je suis également salarié de la coopérative. Et en quelques mots, les Oiseaux de Passage, en fait, ça a été créé par plein d'acteurs locaux, donc de tous les secteurs qu'a énuméré Maria, qu'on réunit, nous, sous le nom d'acteurs de l'hospitalité. C'est-à-dire qu'on est toutes et tous des personnes qui avons envie d'accueillir et de faire partager avec les voyageurs ou avec les personnes de passage ce qu'on aime de nos territoires, de nos destinations, qu'on invite à venir découvrir. Donc, effectivement, il y a des gens qui proposent des chambres d'hôtes ou des gîtes, il y a des hôtels, mais il y a également des guides, il y a des artistes, il y a des artisans, il y a des producteurs locaux, il y a de l'accueil à la ferme, il y a même des habitants qui sont juste bénévolement envie de partager ce qu'ils aiment de leur territoire et de contribuer à le raconter. Et donc ensemble, on fait trois choses. On crée et on invite à faire des voyages, donc des voyages chez nous où on peut vous proposer toute forme d'hospitalité et de découverte. On est également laboratoire de recherche et de développement. Les Oiseaux de Passage, on porte des programmes de recherche justement sur ces nouvelles formes de voyage, ces hospitalités multiples dont je vais parler juste après, et ces récits de territoire également sur lesquels je vais m'arrêter. Et la troisième forme, c'est plus de la mission d'accompagnement et d'ingénierie pour des collectivités qu'on peut accompagner et avec qui on peut partager nos expertises ou accompagner sur des projets. Et donc, dans le cadre de ce qui nous réunit aujourd'hui, et puis en rebond de ce que vient de présenter Sébastien, je voulais m'arrêter sur deux points de notre activité. La première, c'est celle des hospitalités multiples. C'est-à-dire que nous, on a beaucoup de membres chez les Oiseaux de Passage qui accueillent vraiment au-delà des simples voyageurs. Et je vais vous donner quelques exemples. Le premier, c'est un qui est à Paris, qui est une auberge de jeunesse qui s'appelle Yves Robert, qui est donc une des trois ou quatre auberges de jeunesse FUAGE à Paris même. Cette auberge de jeunesse, elle a été créée, elle est dans un écoquartier qui a été créé en fait sur un processus participatif citoyen, c'est-à-dire que c'est les habitants du quartier qui ont été mis à contribution, c'était un des premiers de cette ampleur-là qui a été fait en tout cas à Paris, ils ont été mis à contribution pour savoir qu'est-ce qu'on allait faire de ce nouveau quartier, quel type d'équipement on voulait, et il y avait notamment une envie que ce soit un quartier de destination, c'est-à-dire où des gens de l'extérieur viennent dans ce quartier, et donc dans les différents équipements qu'il y a eu, il y a eu notamment cette auberge de jeunesse pour avoir une structure d'accueil. Mais ils l'ont réfléchi dès le départ sur comment cette auberge de jeunesse allait également répondre aux besoins des habitants et donc aux besoins d'hospitalité que les habitants peuvent avoir. Et là, du coup, l'auberge de jeunesse, elle a toute une charte, tout un cahier des charges auquel elle doit répondre, et notamment, pour donner plusieurs exemples, il y en a plein, les écoles du quartier organisent les fêtes de fin d'année dans l'auberge de jeunesse. Les enfants peuvent venir faire les spectacles dans la grande salle de spectacle qu'ils ont et qui, le reste du temps, louent à des prix quand même assez importants pour des organisations qui veulent venir faire un événement chez eux. Il y a également, cette auberge va également avoir toute une action culturelle et sociale sur le quartier. Ça va être par exemple le lieu pour la MAP, où les gens vont pouvoir venir retirer leur panier de légumes toutes les semaines. Ils vont également donc avoir une programmation culturelle qui est ouverte, qui n'est pas là que pour leurs voyageurs. Et même d'ailleurs, dans les périodes creuses où ils ont moins de voyageurs, ils vont organiser beaucoup d'animations spécifiquement pour les gens du quartier. Et notamment la période de Noël où tous les enfants qui n'ont pas grand-chose, malheureusement pour certains, pendant cette période-là, eux, ils font toute une série d'animations pour égayer un peu le Noël de ces enfants-là qui n'ont pas la même chance que les autres. Donc voilà, dès le début, cette auberge, elle a été pensée de cette façon-là. Et nous, on le voit qu'en fait, ça, c'est des pratiques qui peuvent se traduire, mais même à petite échelle, chez plein d'acteurs.
on a des membres qui ont des chambres d'hôtes ou des gîtes. Et là, je vais aller à Marseille. Certains sont dans les quartiers nord autour du gros hôpital des quartiers nord de Marseille. Et en fait, c'est une majorité des voyageurs qu'ils accueillent, c'est des personnes qui viennent pour accompagner un proche qui va être hospitalisé. Et donc, du coup, ce n'est pas du tout le même accueil que quelqu'un qui vient pour un motif de voyage, de loisir, de découverte, ou un tourisme d'affaires qui vient pour un déplacement pro. Ce n'est pas du tout le même accueil, mais pourtant, jusqu'à maintenant, c'est les mêmes canaux qu'on est obligé d'utiliser. On va utiliser les mêmes moteurs de recherche, les mêmes systèmes de réservation, les mêmes modes de contact, le calcul du prix va être fait de la même façon, les services vont être développés de la même façon, comme si on était un touriste, un voyageur. Et tout ça, moi, je rejoins Sébastien. Je ne sais pas exactement dans laquelle des trois branches ça se situe. En tout cas, peut-être plutôt dans une des deux, mais c'est peut-être l'éclipse. C'est-à-dire des pratiques qui ont été invisibilisées jusqu'à maintenant et qui, en fait, sont réelles et qui, du coup, ont un réel besoin d'avoir des propositions aussi qui sont proposées, designées pour répondre à ces besoins, à ces attentes qui sont plus spécifiques. Et là, du coup, c'est peut-être plutôt en rapport avec une politique de la ville. Comment une politique de la ville peut prendre en compte ces pratiques d'hospitalité multiple pour avoir un développement touristique durable, c'est-à-dire un développement touristique qui est équilibré sur son territoire. Parce qu'à partir du moment où on crée des développements touristiques qui sont déséquilibrés, qui répondent qu'aux besoins du business et de l'accueil de touristes étrangers, comme tu as pu très bien le dire, Sébastien, c'est là où on va commencer à avoir des déséquilibres, on va avoir des tensions. Et du coup, la durabilité de notre système touristique, il est mis à mal parce que des tensions, du mécontentement. Et donc, le tourisme pour les habitants, il faut aussi que le tourisme il permette de répondre aux besoins des habitants, à leurs aspirations. Il faut que ce soit utile, il faut que ce soit aussi un vecteur, déjà, comme je disais, pratique pour répondre aux besoins d'hospitalité, mais également un vecteur pour s'émanciper, découvrir d'autres cultures, s'enrichir intérieurement. Si le tourisme peut répondre à ces besoins-là, pour les habitants, là, en l'occurrence, on est sur un développement touristique qui semble, en tout cas, être plus résilient. Ça, c'était le premier point sur lequel je voulais aller et bien dire que, quand même mettre une précision, il n'y a pas besoin que tous les acteurs de la filière du tourisme se mettent à développer des offres pour accueillir aussi au-delà des seuls tourismes d'affaires et voyageurs. Il y a des hôtels ou des structures qui vont rester spécifiques pour les voyageurs, mais ce qui est intéressant, c'est sur le territoire d'avoir ces pratiques-là. Et vraiment, pour conclure, je reviens sur le fait que c'est vraiment une pratique invisibilisée parce que nous, quand on mène des entretiens dans le cadre de nos actions de recherche et de développement, justement, nos membres, ils nous parlent en priorité des voyageurs qu'ils accueillent en nous parlant de leur comportement, de leurs attentes, tout ça. Et quand on va questionner un peu plus, mais il y en a certains, c'est presque 40 voire 60% des voyageurs qu'ils accueillent qui ne sont pas là pour des motifs touristiques. Et pour autant, en premier lieu, ils vont nous parler des touristes. Et ça, c'est vrai, par exemple, aussi dans d'autres auberges de jeunesse qui vont faire de l'accueil d'urgence. C'est vrai sur des gîtes qui vont des fois avoir beaucoup de travailleurs, notamment d'ailleurs dans l'Île-de-France et donc un peu plus loin de Paris. Il y a des campings et des gîtes, ils accueillent énormément, énormément de travailleurs en déplacement. Et pour autant, dans un premier temps, dans le discours, ils vont nous parler d'avoir des touristes qui viennent et les voyageurs et les autres, ils viennent dans un second temps alors qu'ils font la majorité de leur chiffre d'affaires avec eux. Donc, il y a quand même un formatage aussi un peu de nous-mêmes en tant que professionnels du tourisme, de l'hospitalité, de la culture, du voyage. On est nous-mêmes aussi un peu formatés par ça. Et donc, on essaye justement de développer des nouvelles pratiques, des nouvelles offres pour se déformater un peu et essayer d'ouvrir un peu ces horizons-là. Le deuxième point sur lequel je voulais m'arrêter avec vous, c'est sur, toujours dans ce lien avec le tourisme pour les habitants, c'est celui de la participation des habitants dans les récits touristiques d'un territoire. C'est-à-dire comment, à un moment donné, les habitants ils peuvent aussi devenir acteurs pour contribuer à définir ce qui est l'identité ou en tout cas une partie des identités de leur territoire. Et là, nous, c'est un travail qu'on mène avec plein d'autres personnes et notamment dans le cadre de la Convention de Faro, qui est une convention du Conseil de l'Europe qui définit la valeur du patrimoine pour la société, et donc aussi bien économique, sociétale, culturelle, en termes de développement. Et nous, on travaille ces approches-là pour justement essayer d'aller avec les habitants, qu'ils soient professionnels du tourisme ou pas, d'ailleurs, peu importe, on les prend en tant que statut d'habitant et aussi de pratiquant du territoire. Parce que quand c'est un professionnel, des fois, il pratique le territoire, mais il n'en est pas habitant. Pour autant, il a quand même des choses importantes à partager. Et donc là, la démarche qu'on essaye de prendre, c'est de se mettre à leur service en essayant de voir avec eux qu'est-ce qu'eux, ils ont envie de raconter, qu'est-ce qui pour eux est important sur leur territoire, qu'est-ce qui contribue à définir eux en tant qu'identité, culture commune dans le petit groupe avec lequel on travaille. Et à partir de ça, on va tirer des fils pour commencer à raconter des histoires et pour pouvoir enrichir justement le marketing touristique institutionnel qui est déjà travaillé par les institutions, par les agences de com. Et nous, on ne vient pas se mettre en opposition, évidemment. On vient là pour apporter aussi un autre récit sur le territoire. Des fois, dans la lignée du marketing traditionnel, mais avec un autre point de vue,
avec celui d'habitants qui pratiquent le terrain, qui vivent à côté de ces lieux d'attraction forts. Je pense notamment, par exemple, à la Fondation Monet en Normandie, qui attire des milliers de voyageurs tous les ans. Eux, ils n'ont aucun problème d'attractivité. Il y a un récit sur les peintres impressionnistes qui est super à aller découvrir. Et ce qu'on a travaillé avec eux, c'était plutôt tous les petits jardins qu'il y a autour. Il y a le jardin de la Fondation Monet qui est exceptionnel. Mais du coup, ce jardin, il inspire les habitants de ce territoire-là. Et il y a énormément de jardins de particuliers qui sont magnifiques. En fait, ils les font visiter ou ils les racontent. Ou alors, on peut aller rencontrer justement quelqu'un qui est très doué et très spécialiste dans le domaine du paysagisme, de la botanique, et qui va pouvoir parler avec nous, nous raconter justement comment il fait ses fleurs, comment il fait son jardin. Et on va pouvoir avoir un échange de ce type-là avec ses habitants, toujours autour de cette thématique, hein, des fleurs, des jardins, de la peinture. Mais du coup, on va être plutôt, disons, dans le off, en fait. On ne va pas être dans l'attractivité principale de la destination. Ça vient en complément, ça ne vient pas du tout en opposition, là, on le voit bien. Dans d'autres cas, on a des récits vraiment nouveaux, alternatifs, qui étaient justement un peu invisibilisés, qui vont émerger de ce travail-là et qui vont vraiment permettre, du coup, de contribuer en plus à développer le patrimoine du territoire en contribuant à archiver, à rendre visible, à mettre en forme un élément qui actuellement n'était pas encore valorisé, qui serait peut-être tombé dans l'oubli dans quelques générations. Et là, au moins, il y a un travail qui peut être fait. Des fois, ça va jusqu'à aller travailler avec des institutions, avec des musées ou autres, avec des conservateurs du patrimoine, qui, eux, vont faire leur rôle d'expert et le rentrer dans des fonds d'archives qui vont le classer en tant qu'élément patrimonial du territoire. Et donc, ça peut aller jusqu'à ces démarches-là. Et c'est intéressant d'avoir cette pratique-là, pas que pour le côté culturel, aussi pour le côté rendre les habitants acteurs du tourisme sur leur territoire. Si on veut, si ça revient encore à cette question-là, si on veut un développement touristique qui soit équilibré, pour être durable, à notre avis, il faut qu'il soit équilibré, il faut aussi que les habitants ils puissent, eux, se reconnaître dans l'image que rejette leur territoire, leur ville, aux voyageurs qu'on va accueillir ensuite chez soi. Et donc, ça, c'est un travail qui demande du temps, qui demande beaucoup de participation et un peu de technicité, mais qui est super intéressant à faire et sur lequel on aime beaucoup, nous, aller s'appuyer. Donc voilà pour les deux thématiques, un peu en lien avec l'intervention de Sébastien, que je voulais partager avec vous. Merci infiniment, Clément. C'est vraiment passionnant. Avant de donner la parole à Marine, qui nous est venue, j'aimerais juste prendre cette opportunité pour saluer très chaleureusement Taleb Rifai, qui est avec nous donc dans la salle virtuelle. Taleb Rifai, qui est donc l'ancien secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme. Bonjour, Taleb. Thank you so much. Merci beaucoup. I'm sorry I don't speak your beautiful language. But I'm here, I'm enjoying every minute. I just want to say one thing here. The principle I always live by. A country that's not enjoyed by its people, not toured by its people, cannot and should not be enjoyed by anybody else from outside. That's number one principle in tourism. So domestic tourism is very, very important. One of the advantages of COVID was to highlight the importance of domestic and regional tourism. Tourism that you could reach without having to fly. Tourism inside the country. That's number one. Any is alive. Every country has, every government has done something. Either give direct payments or give loans or give some subsidies to some businesses. But number two is concentrate on domestic and regional tourism. That's very important because you need to change your state of mind completely. You can't think the same way you think when you see foreign visitors and you see a visitor from home. Then and only then, after that, we go into international tourism, not before that. That's what I want to say at this point in time. And I will come in later if needed. Thank you so much. Thank you for having me. Merci beaucoup, Taleb. C'est vraiment très à propos de ce qui vient d'être dit et de ce qui sera dit par la suite. Donc, Marine, après cette longue attente, la parole est à toi. Tu es déjà présentée, donc tu peux commencer. Merci beaucoup. Alors, je me mets en plein écran.
Oui, je suis désolée, j'ai été déconnectée tout à l'heure pour une raison inexpliquée, donc je ne vais pas perdre de temps. Merci beaucoup, Maria. Merci à tous les organisateurs de cet événement. Alors, donc on va parler... Vous m'entendez bien? Très bien. Oui. C'est parfait. Oui. Alors, je vais parler plus précisément des Greeters de Paris, pour ma part. Je vais introduire mon propos avec quelques constats. D'abord, on a pu voir effectivement que la crise, donc je fais la transition avec l'intervention de Sébastien, que la crise liée à l'épidémie de Covid-19 a eu pour effet la mise en valeur d'un tourisme de proximité, d'un tourisme local, qui a révélé tout son potentiel dans le contexte de restriction des mobilités, limité parfois un moment à 1 km. Plus tard, à 10 km, les Parisiens ont bien souvent découvert ou redécouvert leur propre ville, leur propre quartier, voire même, pour certains, leur propre rue. Et ce tourisme du chez-soi, il a donné l'occasion de poser un nouveau regard sur l'espace qui nous entoure, sur notre ville, qui n'est plus seulement le lieu où l'on réside et où l'on travaille. Et en fait, il y a eu une sorte d'hybridation ou un brouillage des frontières qui est apparu entre les loisirs et le tourisme avec l'apparition notamment du staycation, donc ces habitants qui deviennent des touristes dans leur propre ville en séjournant une ou plusieurs nuits dans un hôtel ou dans un meublé touristique à quelques stations de métro de leur propre appartement. Alors, ce qu'on peut appeler ces touristes locaux sont en quête d'extraordinaire dans des lieux, des quartiers qui font habituellement partie de leur quotidien. Donc, on parle ici de la ville dans sa dimension quotidienne, hors quotidienne, ordinaire, extraordinaire. Et on constate que l'habitant joue un rôle important dans cette pratique hybride de la ville, y compris d'ailleurs en dehors du contexte de restriction des mobilités. Ce que je veux dire par là, c'est que ça n'a pas concerné que la période de la crise sanitaire, mais le phénomène avait déjà pris de l'ampleur, comme le rappelait Sébastien tout à l'heure, avait déjà pris de l'ampleur auparavant. Et parfois, donc, certains habitants, et j'en viens à mon sujet principal, participent activement à faire découvrir leur propre ville. C'est le cas donc des Greeters, ces habitants bénévoles qui font visiter leur ville ou leur quartier à des touristes locaux ou étrangers. Et leur objectif, c'est d'offrir un regard sur la ville à l'échelle d'un quartier à partir de leur propre expérience d'habitant. Alors pour les rares personnes qui ne connaissent pas les Greeters, c'est un mouvement qui est né à New York, je dis juste en quelques mots, en 1992, qui est devenu un réseau international. Et aujourd'hui, l'association parisienne des Greeters, qui est née en 2006, elle est celle qui compte le plus de bénévoles, aux alentours d'environ 400 personnes. Alors, je vous propose de s'intéresser au rôle de ces habitants engagés dans les pratiques de valorisation de leur quartier, dans un statut d'accueillant et de guide amateur. D'une part, on va essayer d'analyser leur implication de manière générale, et d'autre part, on va s'intéresser au contexte post-Covid et de relance du tourisme à Paris. Juste très rapidement, d'un point de vue méthodologique, cette présentation elle s'appuie principalement sur mes travaux de thèse que j'ai réalisés à Paris entre 2016 et 2019 et qui s'est intéressée à la cohabitation entre les habitants et les touristes dans la capitale. Et elle s'appuie aussi sur une réflexion menée dans le contexte de la crise sanitaire au cours des derniers mois. Alors, avant d'évoquer le contexte de la crise, justement, et de relance du tourisme, on peut se demander ce qui caractérise ces habitants guides amateurs et la spécificité vraiment de leur activité en comparaison, notamment, de leurs homologues professionnels. Et en fait, on peut souligner au moins trois éléments. Le premier, c'est celui de s'intéresser au statut et au positionnement de l'habitant guide amateur. Parce que pour lui, pour cet habitant guide amateur, il s'agit d'une part de se distinguer du profane. Comme cet habitant guide ne détient pas de carte de guide conférencier, l'enjeu pour lui, c'est d'acquérir une légitimité qui lui permet d'accompagner les visiteurs à travers Paris. Le processus que j'ai pu observer, c'est relativement simple. À travers le guidage, l'habitant mobilise les codes, des codes et des savoir-faire issus des professionnels, comme par exemple se servir d'un porte-document, comme vous voyez sur ces images. Il accumule aussi des connaissances qui sont issues d'une passion, et cette expertise, elle se développe pour certains grâce
à des cours en auditeur libre à l'école du Louvre, ce qui leur offre d'ailleurs un capital symbolique et culturel indéniable, et pour d'autres grâce à Internet ou à diverses ressources. De cette façon, l'habitant va asseoir sa position et acquérir une certaine légitimité. Mais à l'inverse, on observe aussi une revendication du statut d'habitant pour se distinguer du guide professionnel. Donc, dans ce contexte, les connaissances ne se limitent pas au champ légitime, à la grande histoire, entre guillemets, à des thèmes comme l'art ou l'architecture. Mais le discours aborde très souvent l'histoire sociale du quartier, la mémoire, le vécu personnel de l'habitant, donc des histoires ordinaires et familières, à travers donc un récit autobiographique. Le deuxième élément, donc c'est d'ailleurs lié à ce deuxième élément, concerne la touristification de l'ordinaire et le rejet des mises en scène touristiques. En fait, ces habitants guides amateurs s'attachent à mettre en valeur l'anodin, le patrimoine quotidien, dans un discours qui est teinté d'une dimension affective, intime et personnelle. Dans ce contexte, l'ordinaire va se retrouver notamment dans les sujets de discussion, les centres d'intérêt proposés par l'habitant guide, et les échanges avec les visiteurs peuvent traiter de sujets d'actualité, de société, de ce que Malinowski appelait les impondérables de la vie authentique, c'est-à-dire des scènes vraiment anodines, simples, spontanées et à première vue insignifiantes. Par ailleurs, les objets de l'ordinaire sont imbriqués dans un processus de valorisation qui ne nécessite pas de mise en scène. Donc, la balade, elle va donner accès aux coulisses, finalement, de la ville, à l'arrière-scène de la ville, ce qui donne d'ailleurs aux visiteurs l'impression d'être privilégiés par rapport à d'autres touristes à Paris. De cette façon, on peut dire d'ailleurs que les habitants guides luttent un petit peu contre, entre guillemets, pacifiquement, à la fois contre une invisibilisation de certains lieux, de certaines personnes, dont eux-mêmes en tant qu'habitants, de certaines activités qui, à leurs yeux, constituent Paris. Et ils luttent également contre la diffusion d'images faussées, fantasmées ou enjolivées de la capitale. D'ailleurs, l'ouvrage à paraître chez Routledge, qui est intitulé « Tourism Dynamics in Everyday Places », co-dirigé notamment par Maria Gravary-Barbas et pour lequel j'ai contribué, revient justement sur ces lieux en transition entre ordinaire et extraordinaire. Il peut s'agir d'espaces, par exemple comme des stations balnéaires, des parcs à thème, qui existaient jusqu'alors par leur attrait touristique, qui connaissent un déclin et qui peuvent être recolonisés par les locaux. Ou à l'inverse, ça peut être aussi des lieux du quotidien qui deviennent touristiquement attractifs. Et justement, c'est dans ce dernier processus, et c'est ce que j'ai observé à Paris, les supermarchés, les boulangeries, là vous voyez un magasin de surgelés Picard sur votre gauche, sur votre écran à gauche, ou des usines désaffectées, etc., acquièrent une attractivité nouvelle dans ce processus. Et on peut dire qu'ils rendent possible une mise en tourisme de la ville ordinaire. Voilà. Le troisième élément qu'on peut souligner, c'est la pratique de la marche à pied, hein, qui place l'habitant et les visiteurs dans une relation de proximité sur un même rythme relativement lent. La marche va placer chacun des acteurs aussi à la même hauteur physiquement, à la différence par exemple du bus touristique à deux étages que le géographe Léopold Lucas analyse comme un outil, je le cite, pour gérer l'altérité. Cette quête d'une dimension relationnelle est abondamment exprimée par les habitants guides. Elle est facilitée par la petite taille du groupe, vous l'avez vu dans les précédentes images, on est sur des groupes de 2 ou 3 personnes, donc c'est propice aussi aux discussions informelles. Et dans ce contexte, l'habitant n'est pas considéré comme un professionnel et le visiteur comme un client. Donc je disais aussi que la marche se dresse comme une mise en mouvement sur un rythme lent. Hein, elle est anachronique dans le monde contemporain, pour reprendre les termes de David Le Breton. Elle privilégie la disponibilité, l'échange face au rendement et à l'efficacité qui est globalement recherchée dans nos sociétés, y compris lors d'un séjour touristique. Voilà. Et puis ces balades, elles offrent aussi la possibilité d'évoluer à contresens, en marge du parcours emprunté par les touristes. Voilà pour la marche. Donc, à travers tous ces éléments, je vous mettais à l'écran la valorisation du Paris des Parisiens sur le site de l'Office de tourisme de Paris. Donc, à travers tous ces éléments, en fait, on perçoit l'apport de l'habitant dans la dynamique touristique d'une destination,
L'habitant, il offre à voir une ville ordinaire à partir d'un récit sur le banal et le quotidien. Et cette façon de faire du tourisme, elle prend sa source dans des lieux, des activités et des acteurs qui font et vivent la ville tous les jours. Alors, à Paris et dans le Grand Paris, plus particulièrement Seine-Saint-Denis, dans le Val-de-Marne, que j'ai plus particulièrement exploré, mais aussi dans un nombre croissant de destinations en France et à l'étranger, les institutions qui sont en charge du tourisme et les élus ont bien compris l'apport spécifique de l'habitant et sa valeur ajoutée, aussi bien pour répondre à la demande des visiteurs, mais également pour renforcer la dimension inclusive du tourisme. Et ça, je pense que Hélène Salé-Laborel en parlera tout à l'heure. Voilà, alors maintenant, qu'est-ce qui a changé? Et je finirai sur cette slide. Qu'est-ce qui a changé depuis ces observations et ces réflexions menées entre 2016 et 2019? La crise du Covid est passée par là, l'effondrement de l'activité touristique, mais en plus, paradoxalement, personne n'a oublié le phénomène de surtourisme antérieur à la crise sanitaire. Alors, même si Paris a été moins touché que Barcelone ou Venise, la ville, elle a quand même changé ses perspectives de développement touristique au cours des dernières années. Dans le discours des élus, on est passé, par exemple, de la volonté que Paris soit la ville où on accueille le plus et le mieux au monde, donc pour citer la maire de Paris lors de sa première campagne, à un objectif qui ne conserve plus que la dimension qualitative de l'accueil en laissant de côté l'aspect quantitatif. Ainsi, dans le schéma touristique 2017-2022 de la capitale, on retrouve la volonté de mettre en valeur le Paris des Parisiens et de favoriser la participation habitante. Alors, d'un point de vue géographique, avec la restriction des mobilités ces deux dernières années, la valorisation du local a gagné du terrain, je le disais en introduction. L'intérêt pour les interstices, pour les quartiers périphériques, en marge des sites ultra attractifs, ou encore pour la banlieue, tout ça, ça s'est accéléré. À l'échelle de Paris et en Île-de-France, les habitants guides participent donc à la décentralisation du tourisme. Mais bon, et même je déborde là du sujet, ça concerne d'ailleurs aussi le développement, par exemple, de la micro-aventure dans les espaces naturels à proximité des grandes villes. On l'a vu sur la carte de Sébastien tout à l'heure. Concernant le rythme de l'activité touristique, la crise, elle a participé au ralentissement des pratiques en incitant à la contemplation. Et là encore, l'offre proposée par les habitants guides amateurs répond à cette évolution, comme on l'a vu tout à l'heure avec la marche. Et puis le dernier point, avec la crise sanitaire, avec la restriction en matière de contacts humains, la crise elle a permis aussi de montrer l'importance des interactions sociales et du contact interpersonnel. Et justement, les balades Greeters ont pour principe de ne pas dépasser un effectif de 6 personnes. Vous le voyez tout à l'heure sur les images. Elles regroupent d'ailleurs très souvent simplement 2 ou 3 visiteurs. Et elles sont l'occasion pour les habitants, mais aussi pour les visiteurs eux-mêmes, de parler d'eux-mêmes, de parler de leur histoire personnelle. Donc, à la fin d'une telle balade, on se rend compte que les acteurs sont plus dans une relation amicale que dans une relation prestataire-client. Voilà, donc à travers tous ces éléments, on peut constater l'intérêt de l'implication dans le tourisme et cette participation, elle favorise très certainement à plusieurs égards la durabilité de l'activité touristique. Et je terminerai là-dessus, c'est ma dernière phrase. Je pense que cette participation, elle donne à l'habitant une occasion de s'approprier l'activité touristique sur son territoire et de développer une certaine résilience vis-à-vis de cette présence touristique. Voilà, j'en ai terminé. Merci infiniment, Marine. C'est vraiment passionnant. Sans trop tarder, je donnerai la parole à Jean-Michel Tobelem, mais je vous invite tous à poser vos questions dans les chats. J'ai l'impression que pour l'instant, il n'y a pas encore des questions, mais on aura un peu de temps pour répondre à quelques questions que vous aurez le temps de poser d'ici là. Donc, s'il vous plaît, posez vos questions dans les chats. Donc, la parole à Jean-Michel Tobelem. Jean-Michel est docteur en sciences de gestion. Il est professeur associé à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, à l'IREST, Institut de recherche et d'études supérieures du tourisme. Il est aussi enseignant à l'École du Louvre et il dirige l'Institut d'études et de recherches Options Culture
Il est donc à ce titre aussi membre de l'ICOM. La parole pour 12 minutes chrono est à toi, Jean-Michel. Merci. Merci beaucoup, Maria. Donc, je vais essayer de réfléchir à la question qui est posée principalement autour des institutions culturelles et ce qui fait la spécificité de Paris, peut-être, ces grandes institutions culturelles. Alors, mon point, si vous voulez, principal, c'est de suggérer, comme il a déjà été évoqué, le fait que la crise a manifesté un certain nombre de choses que nous savions probablement auparavant, avant le déclenchement de la crise, mais peut-être qui étaient passées un peu au second plan. Au fond, quand les choses fonctionnent, on ne se pose pas forcément ce type de questions. Donc, on savait que le tourisme culturel, la fréquentation des grands sites, des monuments, des musées, était quelque chose d'extrêmement concentré dans notre pays. Ce n'est pas le seul, hein, il y a d'autres pays qui obéissent à un schéma assez analogue, mais enfin, c'est très frappant dans notre pays d'imaginer qu'une poignée de grands établissements représente une part considérable de la fréquentation. Or, ces établissements, compte tenu de l'histoire centralisée de notre pays, sont pour beaucoup localisés à Paris et ou très proches de Paris, évidemment, si on songe au château de Versailles. Donc, il y avait là quelque chose qui était déjà, qui soulevait un certain nombre de questions. Pourquoi ? Parce que on pourrait se dire qu'après tout, avoir des très grands établissements, ça peut permettre de nourrir en cascade des établissements moins réputés, on va dire, moins médiatisés, mais pour autant de grande valeur, et on ne peut pas dire que ce soit exactement ce qui se passait, parce que au fond, ce système alimente un système où je dirais la richesse va la richesse. Quand vous êtes très fréquenté, vous avez plus de moyens. Quand vous avez plus de moyens, vous faites plus d'événements. Quand vous faites plus d'événements, vous êtes plus fréquenté, etc., etc. Et à l'inverse, l'inverse est également vrai. Quand vous êtes peu visible, vous avez peu de moyens, vous pouvez moins vous faire connaître et vous accueillez moins de visiteurs également. Alors, on avait aussi un système économique qui s'était mis en place progressivement, hein, sous le... probablement la pression à la fois, prenant acte, on va dire, de l'essor très important du tourisme international dans notre pays dans les dernières décennies, et aussi sous la pression, je dirais, des pouvoirs publics qui ont encouragé les grands établissements culturels à développer leurs ressources propres. Alors, il n'y a pas de secret en matière de ressources propres. Bien souvent, on retrouve des choses assez classiques, hein, notamment l'augmentation des tarifs qui a été souligné il y a de très très nombreuses années déjà hein, à l'époque par Xavier Greff, par Françoise Benamou, des économistes de la culture qui avaient souligné qu'on était très au-delà de l'inflation et qu'on le veuille ou non, ça ne peut pas être sans conséquence sur notamment le profil des visiteurs. Alors on voit aussi un modèle reposant sur des très 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 gros événements. Et on voit, on voyait avant la crise hein, que le renchérissement des coûts de transport et d'assurance allait poser un certain nombre de difficultés, l'aggravation aussi des phénomènes de concurrence à l'échelle internationale. Pour autant, c'était un système qui était voué probablement à se poursuivre. Et puis, il y a eu l'idée aussi qui a surgi dans les dernières années que les collections elles-mêmes, hein, quelque chose qui était peu abordé jusqu'à présent, pouvaient servir à lever des fonds, que ce soit à travers des dépôts d'œuvres contre rémunération ou sur le fondement d'expositions dites clés en main qui sont conçues pour être volontairement exportées. Alors, premièrement, premier ordre de déséquilibre, ce système probablement apparaissait comme n'étant pas nécessairement extrêmement durable, et deuxièmement, la très forte dépendance à l'égard du tourisme international, dont on ne peut pas réellement penser que ça a été révélé entièrement par la crise. Après tout, malheureusement, je le dis, les épisodes de terrorisme que le Paris connaît, a connu, et malheureusement à plusieurs reprises, hein, et pas uniquement ces dernières années, mais également auparavant, avaient alerté sur ce point, les mouvements sociaux, toute une série de facteurs qui pouvaient allumer, on va dire, quelques signaux, parce que il y a un prix, là encore, à payer
afflux de, en tout cas cette part très importante accordée aux touristes internationaux, c'est que ben, on est moins capable de résister à différents types de chocs. Alors au passage, les petites photos, ben, c'est pour montrer que c'est un petit clin d'œil hein, pour montrer qu'évidemment l'offre en dehors de Paris est présente, hein, que ce soit les jardins Albert Kahn ou là le musée de la Grande Guerre à Meaux. Il y en aura d'autres par la suite. Alors autre type de conséquences, vous voyez, malheureusement, je passe un petit peu de temps sur l'avant-crise pour montrer que tout ça était déjà présent en filigrane. Donc, une concurrence qu'on peut juger stérile entre institutions qui appartiennent de toute façon à la même sphère, à la sphère publique, voire même ministère de tutelle, donc quelque chose d'assez étonnant, donc des politiques que je qualifie de non coopératives, et tout cela conduisant finalement à ce qui a été un peu évoqué également, c'est-à-dire des franciliens, des habitants qui ne se sentaient pas extraordinairement concernés par l'offre de ces grands établissements, ce qui s'est retourné contre l'établissement, parce qu'évidemment, quand la crise est survenue, ben, on n'a pas pu compter sur ce matelas, si je puis dire, de franciliens ou de parisiens qui auraient pu se dire, ben voilà, les touristes internationaux ne sont pas là, revenons. Donc, il y a une série de facteurs qui ont fait qu'ils n'avaient pas forcément envie de revenir, parce que, voilà, on a parlé de qualité de l'accueil, mais celle-ci s'était dégradée sensiblement dans les dernières années, quels que soient les efforts hein, qui sont conduits par ailleurs, que je ne mésestime pas, mais il y avait quand même un certain nombre de difficultés et un épuisement, d'une certaine manière, de ce modèle, sans parler du fait qu'il y a aussi des conséquences hein, en termes de profit des clientèles. Le ministère de la Culture a rappelé il y a quelques mois qu'il n'y avait pas vraiment eu de progrès, voire même un déclin dans les pratiques culturelles des Français s'agissant de la pratique muséale, contrairement à ce qui est dit fréquemment. Et une aggravation donc, des disparités sociales. Hein. C'est ça aussi que j'ai en tête entre les personnes qui fréquentent le plus volontiers et celles qui en bénéficient moins. Alors, donc, la crise. Alors, la crise elle-même, ce n'est pas la peine d'y revenir. On voit bien que le modèle s'est effondré sur lui-même. Hein, et je donnerai quelques exemples après, suggérant qu'on était allé peut-être très loin ou peut-être trop loin dans ce modèle. Donc là, on a deux autres exemples hein, que je signale au passage, le Macval, bien sûr, et puis le château de Vincennes, aussi très, très proche du périphérique. Donc là, c'est pas mon jugement personnel. Hein, j'ai pris deux jugements qui m'ont absolument frappé des deux plus grandes institutions culturelles, on va dire, françaises, bon, peut-être en laissant de côté le Centre Pompidou, en tout cas dans le domaine patrimonial. Madame Pégard, hein, qui déclare de façon assez incroyable que voilà, son modèle économique a été anéanti. Bon, donc ça suggère que ça n'avait pas été anticipé. Donc, loin de moi l'idée de dire qu'on pouvait prévoir la crise du Covid, bien entendu, hein, ce n'est pas de ça que je parle, mais je dis simplement que effectivement plusieurs types de crises, plusieurs types de chocs que nous avions subis pouvaient nous dire ben, qu'est-ce que nous ferions si le tourisme international venait à se tarir. Et pareil pour le Louvre, hein, c'est absolument incroyable, je dirais, cette forme d'aveu hein, du président du Louvre, Jean-Claude Martinez, disant le modèle économique du Louvre fondé sur le tourisme de masse. Donc là, on ne prend même plus de gants, on ne dit même plus qu'on est ouvert à tous ou que sais-je, enfin, voilà, aux Parisiens, on dit non, c'était un tourisme qui était fondé sur le tourisme international et on voit bien, enfin, pas seulement national et international, mais on voit bien que ce modèle voilà, s'arrête. Proposer quelques éléments de réflexion. J'ai pas de doute sur le fait que nous allons revenir à la situation antérieure. Donc, ce qui me fait penser que par rapport à ce que disait Sébastien, il avait évoqué trois effets possibles de la crise, un effet révélateur, un effet éclipse, un effet de transition. Je me demande s'il n'y a pas un quatrième qui est la possibilité d'un retour au business as usual, c'est-à-dire on revient au modèle antérieur. Donc, si
mon sentiment, de certaine manière, c'est que si on ne fait rien de particulier, il est possible que ce modèle se remette en place. Et donc, si il advenait qu'on ne souhaitait pas le retour à ce modèle, alors il faudrait prendre des dispositions pour ça. Donc, on voit bien qu'il y a un certain nombre de réflexions qui sont évoquées, notamment tout ce gisement quasiment inexploré, malgré tous les efforts qui ont été déployés ces dernières années, mais encore un énorme potentiel offert par des éléments, des lieux de visite qui se situent en dehors de Paris intramuros. Alors, je ne veux pas dire par là que les hauts lieux vont disparaître. Les hauts lieux ne disparaîtront jamais et les touristes voudront toujours visiter les incontournables. Néanmoins, l'enjeu, c'est de leur dire, OK, vous avez visité la Tour Eiffel et l'Arc de Triomphe, donc maintenant, vous pouvez possiblement visiter autre chose. On ne va pas se substituer à la Tour Eiffel ou au Louvre, mais on pourra peut-être proposer autre chose en termes d'allongement de la durée de séjour et de capacité à convaincre les gens de revenir. Voilà, et donc, dernière diapositive pour conclure, les enseignements en tirés en forme de proposition, de discussion, pour ces grands établissements que j'ai évoqués, je pense qu'à un moment donné, il va falloir repenser quelle est la raison d'être de ces établissements. Pourquoi existons-nous? Pourquoi les Français financent-ils, à travers leurs impôts, ces grands établissements? Quel sens on peut leur donner? Quelles sont les priorités? Je crois qu'il faut repenser tout ça parce qu'on est dans une période un peu d'incertitude, de flou, où il y a peut-être un manque de clarification de la part des directions. Donc, l'idée est de se diriger vers des politiques plus inclusives. J'ai cité plusieurs éléments qui peuvent se rapporter à ça. Des politiques qui soient plus économes en termes de ressources. On voit bien, par exemple, la circulation intense des chefs-d'œuvre à l'international. Ça, on peut penser qu'il y a peut-être des alternatives à trouver. Bon, voilà, quelque chose qui soit un peu plus acceptable. Et puis, je termine, parce qu'on parle souvent du numérique. Moi, ce qui me frappe, c'est que le numérique, de certaine manière, on est dans une politique très malthusienne, je n'hésite pas à le dire, dans lequel les ressources publiques, les ressources qui appartiennent à la collectivité publique, sont finalement assez peu mises à la disposition des citoyens et de l'ensemble des composantes du corps social. Et on va se retrouver finalement, de façon paradoxale, avec un pays, la France, qui garde la main quand même en partie sur ses ressources publiques, culturelles, alors que d'autres pays les libèrent plus largement. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Jean-Michel. Pour dire à nos amis étrangers, là il est rose, pour faire un petit clin d'œil à Hélène, et puis la roseraie, pardon, et le musée de Saint-Denis, voilà, d'arrêt d'histoire. Merci infiniment. Donc, nous arrivons effectivement presque à la fin de cette table ronde virtuelle. Nous avons donc maintenant l'intervention d'Hélène Salé-Lavorel, qui est urbaniste, donc diplômée de l'École nationale des ponts et chaussées, qui a travaillé comme chargée d'opération dans des sociétés mixtes d'aménagement et qui ensuite est passée par l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région Île-de-France, où donc elle a créé en 1999 le secteur tourisme et loisirs. En 2007, elle a rejoint le comité départemental du tourisme de la Seine-Saint-Denis en tant que responsable du développement, où elle a créé un certain nombre d'événements importants. Et là, ensuite, donc, à partir de 2012, rejoint le Val-de-Marne Tourisme et Loisirs, où elle assure actuellement la direction. Donc, Hélène est quelqu'un qui a porté ces questions depuis de très, très longues années. C'est quelqu'un qui a introduit un certain nombre de notions sur lesquelles nous travaillons actuellement, dont le tourisme participatif, depuis maintenant une vingtaine d'années. Donc, la parole à Hélène, et merci beaucoup. Merci Maria, bonjour à tous. Alors moi, effectivement, je vais vous donner je vais vous parler d'expériences menées depuis un territoire de banlieue qui touche complètement Paris qui fait partie du Grand Paris, mais néanmoins et qui fait partie de la destination Paris, mais qui néanmoins est un territoire perçu par les Parisiens et les habitants de la région vraiment comme un territoire de banlieue. Donc, pour nous, le tourisme de proximité, ça a toujours été notre réalité, même si on a du tourisme, et Jean-Michel a bien montré qu'on avait des sites touristiques.
Mais c'est vrai que pour nous, les habitants sont bien évidemment des touristes. Et ce qu'on essaye de faire, ça a été évoqué à la fois par Marine, par Sébastien et les différents intervenants, on essaye aussi d'en faire des acteurs du tourisme. C'est vrai que c'est une stratégie pour nous. On se dit que de valoriser notre territoire, c'est au-delà de la valorisation des atouts touristiques habituels, je dirais presque conventionnels, du tourisme, à savoir les châteaux, les musées, les paysages. Ce qui fait un territoire pour nous, et encore plus un territoire de banlieue comme le nôtre, c'est la richesse des habitants, la richesse des gens qui vivent et qui travaillent sur ce territoire. Alors, ce qu'on essaye de faire, au-delà des expériences comme les Greeters que Marine vous a très bien présenté, c'est de ne pas seulement mettre en mouvement des bénévoles qui sont amoureux de leur ville ou de leur territoire, hein, c'est toutes les expériences d'ambassadeurs et de Greeters. Nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est d'impliquer des habitants qui n'ont pas une appartenance affirmée à notre territoire, qui ne s'y impliquent pas spontanément, qui peuvent parfois s'en sentir un peu rejetés. Ce qui compte pour nous, c'est de leur montrer qu'ils participent pleinement de la richesse du Val-de-Marne et qu'ils en sont une composante. Et puis, on essaye également, je vais vous donner deux, trois exemples, de donner une réelle dimension sociale au tourisme en rémunérant à chaque fois ses habitants et en essayant de les rapprocher de cette fonction touristique. Alors, le premier exemple que je vais vous donner, c'est l'expérience des jeunes guides en banlieue, où là, c'est une expérience qui a été développée en 2007 par le Conseil d'architecture et d'urbanisme, en partenariat avec les acteurs du champ social et de la politique de la ville, et puis donc avec le comité départemental du tourisme. Donc là, l'idée, c'était de s'adresser à des jeunes qui pensent que leur environnement n'a aucun intérêt, leur cité n'a aucun intérêt. Et donc, on a travaillé avec une quinzaine de jeunes qui ont été formés par le CAUE, alors des petites formations, mais des formations qui étaient rémunérées, pour leur donner les rudiments d'architecture, d'évolution urbaine, du pourquoi ces logements sociaux ont répondu massivement à une crise sociale quand ils ont été construits, quel progrès ça a représenté à l'époque, etc. etc. Et puis l'idée, c'est qu'après, ils soient eux-mêmes guides de balade dans le quartier, mais en étant à la fois détenteurs de cette petite connaissance qu'ils avaient eue, mais surtout en s'appuyant sur leur vécu, sur la rencontre de gens qui ont des parcours singuliers dans ces cités. Donc ils construisaient des parcours tout à fait personnel, qui, ça rappelle ce que disait Marine, hein, qui mêle à la fois un peu de savoir et puis une expérience de vie dans le quartier, qui est forcément unique, puisque chacun a sa propre vie dans le quartier. Ce qui était intéressant, c'est qu'à chaque fois, pour chaque balade, il y avait un contrat de travail qui rémunérait le jeune. Et puis, au début, le public, c'était surtout les scolaires, les associations, les centres de loisirs des villes. Et puis, le comité du tourisme, on a vraiment proposé ces balades à des touristes, entre guillemets, ou en tout cas des touristes de proximité, mais pas seulement. Hein, il y avait aussi beaucoup de Nord-Américains qui venaient. En conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que ces balades, c'est aussi la fonction du tourisme, c'est qu'elles rendaient les habitants très fiers, puisque des gens venaient de l'extérieur pour découvrir leur propre environnement. Ça impliquait deux choses, c'est qu'ils regardaient leur environnement d'un autre œil, et puis ça les positionnait aussi du côté du savoir, et donc ça les rendait très très fiers d'habiter le quartier. C'est une expérience qui était intéressante et en 2013, on a décidé que les jeunes soient autonomes et qu'ils créent une association pour gérer ces visites. Et l'expérience s'est arrêtée là, mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi elle s'est arrêtée là, c'est parce que les jeunes, grâce à cette expérience, ont souvent retrouvé une mise en mouvement,
ont repris des études, ont trouvé du boulot parce que ça constituait une première expérience et du coup, ils n'avaient pas forcément le temps de s'impliquer dans, plus que ça dans l'association. Alors, un deuxième exemple que je voulais vous donner, c'est qu'on a le souhait aussi de valoriser vraiment le côté cosmopolite de notre territoire. On pense que c'est une grande richesse. Et puis, le Val-de-Marne a de tout temps eu une histoire qui avait à voir, qui était ouverte sur le monde. Accueil des exilés politiques, des migrants économiques, des réfugiés, des vagues successives. Et notre territoire, il est riche de toutes ces cultures-là. Donc, en fait, on a travaillé avec l'association Bastina dans un partenariat avec l'Université de Descartes, tout d'abord, et maintenant avec l'IREST et Sébastien, pour construire en fait, des parcours urbains avec des gens issus de l'immigration. Donc, comment ça s'est passé? On a d'abord lancé un appel à candidature. On a eu donc un certain nombre de volontaires et ils ont suivi pendant 6 mois quelques cours des masters anthropologie où là, ils vont suivre le tourisme pour voilà, se nourrir, mais au milieu des étudiants d'un certain nombre de connaissances, de savoirs. Et puis, deuxième phase, ils ont emmené les étudiants sur leur commune, dans leur commune. Et là, ils ont, en binôme, construit des parcours touristiques. Et là, c'est le passeur de culture qui détenait vraiment la connaissance de son territoire. Donc, tout ce travail a été fait. Et en 2018, nous, on a eu comme ça 3 parcours qui ont vu le jour, mais il y aura un petit film après qui vous montrera. Et qui ont été vraiment très, 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 très riches, avec tout type d'ailleurs de migrants, hein, puisque dans les volontaires, on a eu des gens issus d'immigrations très anciennes, comme des Italiens, des Portugais, des Algériens, et aussi beaucoup d'Afrique de l'Ouest, donc des migrants plus actuels. Alors, cette expérience, elle s'est révélée aussi très, très intéressante, puisque du coup, on va dire que ces passeurs de culture se sont approprier leur territoire, ils ont pu en montrer les richesses et comprendre que loin des institutions, en fait, chacun est partie prenante du territoire et en est une des composantes. Le bilan, c'est aussi que bien souvent, ils ont retrouvé une dynamique personnelle, une estime de soi et la plupart des passeurs de culture qu'on avait, avec lesquels on a travaillé en 2017-2018, ont pu valoriser leur implication dans ce dispositif. Alors, ils ont obtenu des papiers, retrouvé du travail et simplement peut-être sont-ils passés à autre chose. En tout cas, aujourd'hui, on a besoin de relancer une nouvelle expérience en 2021. Donc, on va relancer un dispositif de passeurs de culture pour avoir plus d'offres aussi sur de nouvelles communes. Parce que le public répond présent hein, aussi. C'est quelque chose qui intéresse beaucoup le public. La troisième expérience, je vais aller très vite, c'est celle des visites d'entreprise. Il faut savoir que chez nous, c'est très important. Évidemment, on a des savoir-faire comme tous les territoires très, très nombreux, mais un passé industriel aussi, et puis des savoir-faire très innovants. Et ce qui nous intéresse, c'est d'ouvrir tout type d'entreprise. Et pas seulement, comme ça se fait beaucoup en France, les entreprises de l'agroalimentaire ou de l'artisanat d'art. Pourquoi ces entreprises-là qui ouvrent? Parce qu'on a des normes très strictes sur l'accueil du public qui font que les entreprises sont obligées de faire de gros investissements pour accueillir du public. Il faut pouvoir garer un autocar, avoir des toilettes hommes-femmes séparées, etc., etc. Et c'est souvent des investissements qui font que pour que ce soit rentable, il faut à la fin qu'il y ait une boutique où on vend aux visiteurs les chocolats, les parfums ou je ne sais quoi. Nous, ce n'est pas ça qui nous intéressait. Ce qui nous intéressait, c'était de dire aux entreprises, on veut que les visites soient, qu'on soit au cœur de l'activité et que ce soit les salariés qui parlent de leur activité. Donc, vous ne changez rien. Vous choisissez la fréquence des visites. Si c'est que 2 fois par an, ben ce sera 2 fois par an. Si vous ne pouvez accueillir que 5 visiteurs, on fera des groupes de 5 visiteurs. Mais ce qui compte, c'est que les visiteurs soient vraiment au cœur de la production et en contact avec les salariés. Et là encore,
ce qui ressort de ça, c'est la fierté qu'éprouvent les salariés à parler de leur travail et aussi de voir que ce travail est digne d'intérêt puisqu'il intéresse des gens venus de l'extérieur. Donc voilà, alors ce que peut-être pour faire le lien avec ce que disait Sébastien, toutes ces démarches qu'on entreprend avec les habitants, c'est vrai que dans la destination Paris, elles sont revenues au cœur de la stratégie touristique dans le cadre d'un travail qui est mené avec Paris et les départements de banlieue, on va dire. Alors, nous, on les appelle comme ça, mais pour les touristes, souvent, c'est, tout ça, c'est Paris. Hein. Personne ne connaît le Val-de-Marne, c'est la destination Paris. Donc, on a engagé un travail qu'on a regroupé dans quelque chose qui s'appelle Explore Paris. L'idée de ce travail en commun, c'est de poursuivre plusieurs objectifs. Le premier, évidemment, comme l'a évoqué Sébastien, de diffuser les flux touristiques. Hein. On a vu sur les cartes qu'ils étaient très concentrés dans l'hypercentre. Et donc, pour Paris, c'est bien que ça aille un peu en périphérie. C'est bien aussi pour la périphérie d'accueillir ces touristes. Deuxième objectif, ça a été rappelé aussi, c'est que Paris a une image, du coup, un peu de ville-musée, puisque les quartiers fréquentés par les touristes ne sont plus trop ceux où vivent les habitants. Donc, en venant dans les quartiers un peu plus résidentiels, c'est aussi travailler, ça nous permet de travailler sur l'image. Et puis, troisièmement, d'essayer de montrer toute la créativité et l'innovation de cette métropole qui, évidemment, n'est pas dans l'hypercentre très classique. Elle est plutôt en périphérie, c'est là que ça bouge, c'est là que sont les artistes, c'est là que l'architecture moderne se construit, etc. Donc, voilà, montrer que Paris, la destination Paris, ce n'est pas que le Louvre, Montmartre et la Tour Eiffel. Donc, juste pour vous donner deux, trois exemples de ce qu'on a pu faire, ça, c'est l'évolution du plan touristique de Paris. Vous le voyez, donc, en 2008, il y avait Paris dans une couleur, alors on ne voit pas bien sur l'image, mais les monuments étaient dessinés, et puis derrière, tout ce qui est blanc, c'était le désert français. Il n'y avait rien, c'était une autre couleur, on était en banlieue, il ne se passait rien. Alors, quand on a commencé à travailler ensemble, les couleurs étaient un peu estompées, mais il y avait quand même une nuance de couleur, une différence de couleur. Et puis, des choses toutes simples qu'on a faites, c'est que, voilà, on a complètement estompé cette barrière du périphérique qui existe surtout pour les Franciliens. Les touristes qui sont en métro, pour eux, c'est pas forcément une grosse frontière. Et on a commencé à faire figurer sur la carte aussi des points d'intérêt en banlieue. C'est pas rien du tout. Il y a plein de choses aussi en banlieue qui sont dignes d'intérêt. Et Jean-Michel en a montré plusieurs points. Donc voilà, donc toute cette offre touristique à l'échelle du Grand Paris, vous pouvez la retrouver dans une plateforme de réservation dans laquelle on a mutualisé aussi tout le côté, tout ce qu'il y avait de visites insolites à Paris et en banlieue, dans ce qu'on a appelé Explore Paris, donc qui est une seule plateforme qui permet de retrouver toutes les visites, celles que je vous ai présentées, mais aussi de nombreuses autres, puisqu'il y a plus de 500 acteurs de visite insolites, on va dire, qui se regroupent dans cette plateforme. Vous avez quelques chiffres. Hein, en 2 ans et demi, on a proposé plus de 12 500 visites et on a eu beaucoup de fréquentations qui sont surtout aujourd'hui plutôt les touristes de proximité, puisque le Covid en plus est arrivé là, est passé par là. Néanmoins qui permet d'offrir à tous des petits acteurs, des artistes, des associations d'habitants, du patrimoine, de la culture, du sport, de s'ouvrir un peu au tourisme et de proposer des visites, des balades sur cette plateforme. Donc voilà, et l'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est d'essayer d'ouvrir un peu plus cette plateforme au public international, puisqu'on est convaincus que l'offre qui est là répond aux enjeux post-Covid, c'est-à-dire qu'elle propose des vraies rencontres avec les habitants, elle propose de ne plus être dans l'hypercentre touristique, mais plutôt en périphérie, que ce soit dans Paris ou en banlieue, elle correspond vraiment à aller à la rencontre
des territoires et de ce qui fait leur richesse, les gens qui y vivent et qui y travaillent. Voilà, je crois que j'ai merci beaucoup, Hélène. Terminé. Effectivement, nous arrivons à la fin de cette table ronde virtuelle. Nous ne ferons pas, comme cela avait été annoncé au début, un break. Je pense que nous avons largement dépassé le temps pour cela. Par contre, nous allons passer la vidéo qui avait été prévue pour ce break culturel, qui est une vidéo très courte et qui s'enchaîne très bien avec les propos d'Hélène Salé-Lavorel. Donc, si Kazem veut partager la vidéo. Entre-temps, vous pouvez continuer à poser vos questions sur les chats. On n'a pas le son. There is no sound. No sound, no voice for the video. Just a moment. I'm sorry. It's okay. À Choisy le Roi, une balade urbaine du projet Passeurs de Culture était l'occasion de découvrir le territoire Val-de-Marne autrement, à travers des récits de vie, la découverte de lieux et des créations culturelles. Les différents quartiers de Choisy vous en diront plus que moi-même. Nous aborderons aussi les différents champs de son patrimoine politique, de l'exil de la guerre d'Espagne, la paix du Vietnam, à l'Algérie ou plus récemment aux migrants d'Afrique de l'Ouest, d'où je viens. Le concept de ces balades urbaines est de développer le tourisme solidaire et l'enrichissement interculturel en favorisant les rencontres des Franciliens issus des migrations. Voilà, on n'a plus que ça, qui nous dit qu'il y avait un château, oui, ça c'est l'entrée, voilà, ça c'est la rentrée. Des femmes et des hommes identifiés par les associations et acteurs territoriaux qui ont à cœur de partager un bout de leur histoire et de celle de leur ville. Déambulation urbaine et parcours de vie personnel s'entrelacent ainsi pour donner vie à cette idée à portée résolument humaine et conviviale. Tourisme plus classique, on a tendance à voir un peu la répétition du même discours et un discours qui n'a plus de lien avec la société, alors qu'ici on voit bien qu'on donne la parole aux gens et on s'approprie d'une histoire. Il ne faudrait pas qu'on se rattache seulement aux cultures de notre pays. Il faut s'ouvrir aux autres, découvrir l'autre, et en découvrant l'autre, tu te découvres toi-même et ça te fait grandir. Le projet Passeurs de Culture est coordonné par l'association Bastina avec l'aide du comité départemental du tourisme du Val-de-Marne. En parallèle, l'association a développé un partenariat avec l'université Paris-Descartes permettant aux étudiants de concevoir des parcours de découverte avec ces passeurs de culture. C'est une façon de trouver de la culture dans son propre quartier, de ne pas seulement trouver de la culture à Paris ou dans des centres, des grandes institutions, mais de montrer aussi que la culture peut être au coin de la rue et qu'on en fait tous partie. On s'est retrouvés dans un groupe d'étudiants vraiment qui nous faisaient confiance et qui ne nous jugeaient pas surtout. Donc ça a été qu'un plaisir pour nous de faire leur rencontre, de traverser tous ces moments avec eux. Cette initiative répond aux ambitions d'utilité, de solidarité et d'innovation du département en renforçant le lien entre les populations et en améliorant le respect mutuel entre les individus. En soutenant les passeurs de culture, le département réaffirme ainsi sa volonté de sensibiliser aux enjeux des migrations, de lutter contre les préjugés et de mettre en avant la solidarité internationale. Parfait. Merci infiniment. Je pense que c'est une vidéo qui clôture très bien tout un ensemble de propos qui ont été présentés aujourd'hui par les intervenants. Nous arrivons à la fin de cette table ronde et je vois que notre groupe diminue, donc nous n'allons pas trop tarder.
Il y a eu un certain nombre de questions dans les chats qui ont été répondues, certains par des intervenants, d'autres par d'autres membres du public, ce qui est, je pense, tout à fait extraordinaire. Est-ce qu'il y a encore des questions brûlantes que nous pouvons prendre juste avant de clôturer cette table ronde virtuelle? Oui, il y a une discussion qui est en cours sur est-ce que finalement tout ce que nous observons et ce que nous avons discuté aujourd'hui est pérenne ou est éphémère? Est-ce qu'on va revenir dans le business as usual qu'évoquait tout à l'heure Jean-Michel Tobelem, ou est-ce que tout ceci va marquer de façon durable notre façon de faire le tourisme? On ne peut pas véritablement répondre à cette question, mais on peut dire aujourd'hui qu'on voit clairement que de la part de décideurs publics, en tout cas à Paris, il y a une volonté à ce qu'on ne revienne pas en arrière, à ce que les modèles changent, que l'éthique du tourisme soit différente. Et nous voyons également que de la part de touristes, des visiteurs, des habitants locaux, il y a aussi un désir pour autre chose que ce que nous avions connu avant. Ceci ne veut pas dire qu'on ne va pas retomber dans les modèles précédents parce qu'il y a une industrie touristique qui est très puissante et qui peut-être fera en sorte que les choses reviennent dans des schémas antérieurs. Mais je pense que pour aujourd'hui, c'est vraiment très important de prendre en compte qu'à la fois les politiques et les habitants et les touristes eux-mêmes cherchent autre chose. Et j'espère que nous les trouverons dans les années à venir. C'est une courte conclusion également de notre discussion aujourd'hui. J'aimerais, avant qu'on se quitte, remercier très chaleureusement tous les intervenants. Je pense que vos 5 interventions se sont tout à fait goupillées l'une par rapport à l'autre. Ça a donné vraiment un beau panorama des problématiques qui se posent aujourd'hui. Et j'aimerais vraiment remercier également, très sincèrement, Jafar et Kazem pour cette invitation, pour le portage de ces webinaires Scott et pour l'invitation qui nous a été faite de parler de cela donc sur Paris et en français, ce qui est relativement rare quand on organise des webinaires internationaux. Donc, merci beaucoup pour cette opportunité. Et Anthony pour l'interprétation. Et Anthony pour la traduction qui a été, je pense, très, très complexe. Parce que, et merci d'avoir accepté vraiment d'assurer cela un peu à la dernière minute. Merci infiniment. Il n'y a pas d'autre... Oui, Taleb. Taleb, you are muted. Just want to say thank you for everything. It was an interesting, very, very interesting session. Now, the most impressive thing about it was that you're talking about a developed city and a developed country, Paris and France. Imagine if you were in a developing country, that would be compounded by a more complicated system, because there is not just the cultural differences, there is the economic differences. You cannot anymore build any 5-star hotels in 2-star community. That doesn't work anymore. So my concern is about the developing country. You're making good deed here. You're really projecting Paris in a very advanced and a very forward-looking picture. I thank you all for doing that. Thank you so much. Bien merci. Mais si vous pouvez traduire rapidement. Can't hear the interpreter. Merci beaucoup. C'est une excellente remarque, Taleb, évidemment, parce que c'est vrai que là, nous parlons d'une ville qui peut se donner la possibilité de discuter de ces questions dans un certain confort économique. Alors, encore que la réalité sociale peut être aussi diverse dans une ville comme Paris.
Et vous avez tout à fait raison de soulever cette question des pays en voie de développement où forcément les problématiques sont différentes. Merci infiniment pour cela. Est-ce que le mot de la fin est pour Jafar et pour Kazem? Ok, bien, merci. Je ne sais pas si Jafar et Kazem m'ont écouté, si nous sommes dans le même canal ou pas. Je demandais s'il y a un mot de fin de la part des curateurs. Est-ce que Anthony, vous pourriez éventuellement traduire? May I have a question? Non, je demandais tout simplement si Jafar et si Kazem souhaitent dire un mot pour clôturer ce webinaire. Can I have a question? I think thank you so much. It was amazing. Thank you very much for your participation. I truly benefited from this presentation, from this webinar. Maria knows that my background is cultural anthropology, and therefore you're speaking within the discipline of cultural anthropology in order to bring back a city to its own citizen to enjoy it. I just wanted to reinforce what also Taleb said about developing countries, as well as the importance of domestic tourism, which has been really ignored all the time. The problem is that all of you in this webinar, whenever we are talking about tourism, we are talking about international tourism. Whenever countries are talking about tourism, they are talking about international tourism. So domestic is ignored, and Taleb more than anybody else knows that 95% of tourism of the world is domestic tourism. And it's only the 5% which is getting all the attention. This has to change. But in this webinar, another concern, another focus was emphasized a lot, and that is people of a city seeing their own city, become a tourist in their own city, in their own neighborhood. And local tourism, we talked about all the time. The problem is that when we say local tourism or domestic tourism, it has no parameters. You know, we often use the word domestic tourism. I'm here in Wisconsin, in northern part of Chicago. If I go to Chicago, I'm a domestic tourist. If I go to San Francisco, I'm a domestic tourist. If I go to New York, I'm a domestic tourist. But who am I if I'm in my own city and in the whole neighborhood? So that market, that niche market, it has not been named. And if something doesn't have a name, doesn't exist. We could say local people seeing their own city. Well, that's a sentence. That's not a niche category. That's not a market. So that's why the concept of paratourism and paratourist was introduced. What is paratourism? People who see tourism in their own neighborhood, in Paris and surrounding Paris. Parisians seeing Paris in enjoying Paris and surrounding Paris. And what is paratourism is the tourism that caters to local people. So I think we need to, just using the word domestic tourism does not fit the concept of Parisians visiting Paris and the neighborhood area. So I emphasize that we need to come up, emphasize on this niche market, which is doable for bigger cities and richer cities and developed countries, probably would not work in the developing countries. But it still is a market, it's a thriving market that the tourism industry and the tourism research community has ignored. And thank you very much for talking about local tourism, which again would be paratourism or paratourist. And I invite you to come to our future webinars
We have lined up webinars all the way to the end of December. If you go to our website, click on future webinars and you find a complete list of forthcoming webinars. For example, we have one coming up on quality of life and happiness and so on and so forth through tourism. So a good selection is a nice menu of ideas. In front of you, you can choose anyone you wish, join us anytime you wish. And again, we invite you, Kazim and I, the curators of the webinar, we invite you that if you have ideas and you would like to become a guest curator and to do what Maria did today, propose your workshop or seminar, and we will be more than happy to accommodate you. And here's, yes, thank you very much, Kazim, for showing this. Here you see the future webinars coming up all the way to the end of December. Wonderful. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thanks a lot, and see you in the next webinar. Thank you very much. Good afternoon, everybody. Thank you. Thank you, Kazim. Thank you. Thank you, Tara. Okay. Thank you so much for coming and joining us. Merci. Thank you. Merci. Bye. Bye. Bye-bye.